Je suis entré dans l'équipe de Paris Jour, j'y suis encore, j'y suis depuis 11 ans. Ensuite, Roland Dordain, je l'ai rencontré également. Il m'a demandé, veux-tu faire de la radio? Je lui ai répondu oui. Je lui ai proposé une idée, cette idée c'était radioscopie. Il a accepté. J'avais exigé de faire cette émission avec une totale liberté. J'ai reçu en un an 300 personnages. Le prêtre marié, un homosexuel, le grand maître des francs-maçons. Et je dois dire que cette liberté que je voulais, je l'ai eue totalement, puisque je n'ai pas eu un seul mot de réprimande. Je ne sais pas s'il y a eu des échos de désapprobation, des lettres venimeuses envoyées, mais en tout cas, ce que je peux dire, et j'en suis fier, c'est qu'à aucun moment, Roland Dordain m'a fait le reproche d'avoir reçu les personnages que j'ai pu recevoir.